Bienvenue à Jurassic Park. Regardez, vous avez vu sur la pierre, hein? Si on regarde bien, avec la loupe, qu'est-ce que tu vois là? Une feuille. Il y a une feuille, hein? Pouvez-vous pas faire passer la pierre et avec la loupe et regarder, il y a une feuille. Et cette feuille, quand vous la verrez, ben, la voilà. Ça, ce sont les fossiles qu'on peut trouver dans les terris près de chez vous. Ça veut dire qu'il y a 300 millions d'années, ici, il faisait très chaud, et il y avait une forêt extraordinaire avec des plantes extraordinaires qu'on voit là. C'est vraiment comme dans le film Jurassic Park. Hein. Et c'est devenu ce qu'on appelle le charbon. Kevin Lehr n'avancera pas plus vite parce que vous la regardez. Hein. Ah ben, pas de klaxon aujourd'hui, votre grand-père est en retard. Mes oreilles l'en remercient. Bon, allez, ça va, vous pouvez ranger vos affaires. Calmement, s'il vous plaît, calmement. J'en m'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, moi je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Attends, laisse-moi faire, attends. Je vais te montrer c'est quoi du rock'n'roll. Oh, mais monsieur Georges, allez-y. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Yeah, you ain't never come around, but then you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Dis-moi. Regarde, c'est l'homme chambre. Kevin. Tu ne t'imagines pas, Jean-Bourg, combien ça me fait plaisir de voir enfin un visage jeune.
Tu te plais bien ici, papy? Ben, réfléchis une seconde, Aguiline, réfléchis. Être papy dans une maison de retraite, dans un home, arrête. Ben, j'en veux à papa, hein. Et j'y ai un vu, hein. Mais je sais bien que je suis tombé deux ou trois coups de moto. Et alors, je ne suis ni comme bon pour le marchand de loc, hein. Et regarde, est-ce que je ne suis pas jeune? Peux te dire je t'aime pour vivre. Oh, oh, bon Dieu. Ouh, ça fait beau. Oh, ben, Kevin, le cœur, il est côte jaune, mais les lombaires. Ouh, ça fait beau. L'heure de la soupe, you're in my hand, dog. Mon Dieu, attention, Kevin, elle v'la l'autre. You're in my hand, dog, crying all the time. Yeah, you ain't never call ever, then you hit no friend of mine. Alors, comment ça va aujourd'hui? Voilà. Mais qu'il est sage! Oh là là! Voilà. Doucement. Voilà, voilà. Oui. Jetez à l'œil, hein. Allez, à tout de suite. Et tu bois toute ta soupe, hein. Je vérifie, hein. Et Georges, n'hésitez pas, hein. Et le prochain coup, apportez un linge pour mettre un petit. Trois fois par jour, Kevin. Trois fois par jour. Matin, midi et soir. Et je n'en peux plus. Allez, non, arrête, après tout, je n'ai plus faim. Mais faut plus. Ah tiens, papy, je t'ai apporté quelque chose. Ah, merci, Mbio, 100 fois, et compagnie. Ah, une photo de papy. On le mettra au mur. Ah, ah, la photo de mamie. Comme ça, je me sentirai un petit peu moins seul, hein, Kevin. Tu te souviens de mamie? Oui. Ah, bien. Mamie. Ah! Mais je te niaiserai. Kevin, tu n'as ni une bonne idée d'être tiède, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et je m'imbête, soit, mais nier pour jouer avec des biaiseries pareilles, hein. Allez, Alphonse, hein. Miette, attention. Allez. Tu prends le flingue, tu tires. Voilà. Maintenant, tu cours, hein, maintenant, Alphonse, tu te sauves. Sauter? Tu sautes au-dessus de la barrière, bordel. Mais maintenant, j'ai au mien, on saute au-dessus de la barrière. Allez, et pour sauter au-dessus de la barrière, tu sais ce que tu fais? Tu fais Y. Y, c'est quoi, cadavre? Mais, biette, Alphonse, mais c'est un effort, hein. Et regarde là, A, B, Y, X. Oh! C'est pas un X pourtant, ça. Tu préfères que ce soit X, hein. Ah, bah ouais. Allez, X. Qu'est-ce que c'est qui t'a appris à jouer ainsi? Ah, ben Kevin, un petit-fils Kevin. Un petit gamin. Un petit gamin. Il y a plus d'un an, j'ai vu le mien. Ah, ben, c'est comme ça, Alphonse, hein. C'est comme ça. Allez, reviens au jeu, s'il te plaît. Allez. Ouais, mais en définitive, c'est pouvoir en arriver à quoi? C'est quoi le but du jeu? Ah, ben, comme tu dois faire là sur l'écran, tu ne le croiras jamais. Faut s'évader, Alphonse. Allez, faut s'évader. Ouais, s'évader. Fuiter le camp. Estirer de là et d'ici. Allez, dépêchez. Y, bon Dieu. Y. Ah oui, allez. Alors, et alors, les geeks du troisième âge, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que je vous avais déjà dit? Hein? Vous voulez quoi? Vous ramollez vos cerveaux encore plus? Allez, confisquez. Non, mais je te gêne plus. Madame de Miguel. Monsieur Georges. Oh, j'ai oublié. Oh, allez, tête couchée. Mon parrain, oui. Oui, tête couchée. Monsieur Kevin, un appel téléphonique pour vous. Allô? Allô, Kevin?
Un petit bio, s'il vous plaît, un petit bio. Il faut que tu me fasses sortir d'ici, je n'en peux plus. Mais comment? Comment? T'es timide, j'ai un plan. Scénario tel qu'on l'a imaginé. D'accord? Bon, Kevin, t'as apporté tout ce que j'ai demandé? Allez, montez. Voilà. Parfait. Bon, et le trois quarts sur Georges, il fait sa tournée dans le couloir. Hein? Okay. On ne peut pas sortir d'ici tant qu'on n'a pas neutralisé. Ok? Mais comment? Mais comment? J'ai une idée. Il déteste les chiens. Oui, j'écoute. Un chien? On y va. Hé, les gosses, oh! Monsieur, il y a un chien. Un quoi? Un chien. Un chien? Allez, allez, dehors, oust! Vous entendez? Un chien. Menace neutralisée. C'est par là. Je n'y arriverai pas comme ça. Faut trouver quelque chose. Oh. Attention. Hé, les gosses! Pas trop vite, hein? Mais fais gaffe à te volant, hein. Tu conduis aussi haut que ta mamie. Espèce de... Tout doucement. Attention, je rigole. Attention. Bien. Avant de commencer le cours, je voudrais avoir quelques précisions sur l'incident d'hier. Hein? Voir toute une classe disparaître, comme ça, hop, en pleine récréation, ça ne m'était jamais arrivé en 40 ans de carrière. Ça avait sans doute une bonne explication. Alors, hein, j'écoute. On ne peut pas vous en parler, mais c'était une bonne action. Une bonne action, ça, oui, c'est ça.
Dites-moi en plus, vous aviez sans doute une folle envie de bonbons, hein? C'est ça? Non, monsieur, on a suivi notre conscience. Notre conscience? Eh bien, vous m'en direz tant. Eh bien, la mienne de conscience, elle m'ordonne de vous donner la plus grosse punition que vous n'ayez jamais eue. Vous allez me copier 200 fois la phrase suivante. Copier? Je ne quitterai pas l'école sans permission. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pardon, monsieur, j'ai éternué. Achou! Même si ma conscience... On dirait que ça vient de la cave. Ce sont peut-être des rats, monsieur. Et depuis quand les rats éternuent-ils? Restez ici, je vais voir. Monsieur l'instituteur, je ne voudrais pas être désagréable, mais vous pourriez peut-être faire vos poussières de temps en temps dans la cave. Enfin, qu'est-ce que vous faites dans ma cave? Monsieur l'instituteur, c'est une longue histoire. Disons que vos élèves m'ont libéré, m'ont sorti de prison. Ah ben, je vais vous y ramener, moi. Mais, oh, Kevin, que fait votre grand-père dans ma cave? On a sorti papy du home parce qu'il n'avait rien à faire là-bas. C'est bien gentil, Kevin, mais ma cave n'est pas une cache, hein. N'est plus une cache, vous voulez dire, monsieur l'instituteur. Vous connaissez bien l'histoire de cette maison-ci, pas vrai? Ben, bien sûr que je la connais. C'est la maison de mes parents et de mes grands-parents avant. Ben oui. Ben peut-être que nous sommes plus liés que vous ne pouvez le croire. Vous m'en direz tant. Mais ce sont mes parents. Je ne vous le fais pas dire, monsieur l'instituteur. Et cette photo date un petit peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il serait peut-être temps de donner une petite leçon d'histoire à vos élèves, vous ne croyez pas? Petite leçon. Je vous ai parlé de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Non. C'est quelle année? Ben, 2025, monsieur. Oh. Oh, Seigneur, pardonnez-le. Non, 40-45. À ce moment-là, les Allemands avaient envahi la Belgique et Lugh était envahi également. Et c'était la panique. La panique. Justement. Et vous ne le savez pas, mais mes parents à moi étaient juifs. Et quand les Allemands sont entrés, évidemment, ils ont recherché partout tous les juifs. Et c'est là contre en jeu. Les parents de monsieur l'instituteur. Mais j'ignorais tout à fait cette histoire-là. Non, monsieur l'instituteur, vous n'en savez peut-être pas, mais votre papa et votre maman étaient très amis avec mes parents. Ah bon? Et quand on les a recherchés, vous savez ce qu'ils ont fait, vos parents? Non. Eh bien, au péril de leur vie, ils les ont cachés. C'étaient des gens exceptionnels, vos parents, monsieur l'instituteur. Ah. Oui. Bon. Voilà, c'est au sujet de Kevin. Kevin. Oui, il est dans votre classe, je pense. Oui. Et qui le demande? Je travaille à la maison de retraite et il y a le papy de Kevin qui a fait une fugue. Et vous savez, il n'a plus toute sa tête et ça ne vous dérange pas si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie, entrez. Merci, c'est gentil.
voilà. Hein, bande de fripouilles. Je vous ai eu. Allez, papy, on rentre à la maison. Allez. Je déteste les nazis. Aidez-moi à transporter le corps. Eh ben, cette petite mise au vert lui fera le plus grand bien. Si c'est vous qui le dites. Monsieur l'instituteur, en mon nom et au nom des enfants, je vous remercie, je n'oublierai jamais. Il n'y aura pas de collabo dans ma famille, monsieur.